Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une personne qui me tient vraiment à cœur. Une personne que vous connaissez peut-être pas. Bon, je l'ai déjà présenté précédemment sur ma chaîne, mais il y a longtemps. Donc voilà, c'est mon frère. Je vais vous présenter mon frère, le poteau. Donc en fait, c'est une vidéo très spéciale parce que je vais vous demander quelque chose de très très important. Et je vais vraiment vous le demander à tous. Même ceux qui ne sont pas intéressés, s'il vous plaît, faites ce que je vous demande. C'est vraiment un grand service que je vous demande. Alors c'est très simple. Je vous présente mon frère, donc, qui est rappeur. Et son anniversaire, c'est le 12 du 8 90. Donc c'est demain. Donc la vidéo, je vais faire en sorte qu'elle se publie à minuit pile. Et s'il vous plaît, tous ceux qui voient cette vidéo, allez sur sa chaîne et abonnez-vous. Alors, je vous présente mon frolo, donc mon frère. C'est mon frère de sang. Enfin, c'est pas mon vrai frère, mais c'est mon frère de sang. Mais c'est tout comme, c'est vraiment... C'est grâce à lui que je suis tel que je suis. Donc voilà, je lui dois vraiment énormément de choses. Donc voilà, gros big up à toi. Bon anniversaire, Frollo. C'est pour toi que je fais cette vidéo. En fait, si je fais cette vidéo, c'est vraiment parce que j'ai envie de le rebooster. Parce que c'est un type que j'ai rencontré quand j'avais 15 ans. Et il rappait. Il a rappé depuis l'âge de ses 10 ans, même plus tôt, il commençait déjà à rapper. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il a rencontré des gens, il a fait des feats, il s'est amélioré de ouf. Je trouve que il rappe franchement, il pose bien. Il pose bien, ses textes sont bien réfléchis, c'est pas des textes de merde. Et le seul truc qui lui manque, en fait, c'est du soutien, en fait. Moi, je lui donne tout mon soutien, mais je suis tout seul. Et il y a son cousin, etc. Enfin, il y a sa famille qui lui donne son soutien, mais c'est pas assez, tu vois. Il n'est pas assez motivé. Donc j'ai vraiment besoin de vous. J'ai vraiment besoin d'un maximum de toute ma communauté. On est quand même 22 000. J'espère quand même lui faire atteindre les 2 000. Ce serait magnifique. Franchement, ce serait génial de votre part. S'il atteindrait genre même 1 000 ou 2 000, il aurait du soutien derrière. Il aurait une communauté derrière qui le suive, qui l'écoute et qui, voilà, qui dirait qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que, pourquoi. Tu vois, si maintenant toi tu t'y connais dans le rap, n'hésite pas à aller voir ces vidéos. Donc voilà, la chaîne c'est Dead Prod. Donc bien sûr, je le mettrai en description de cette vidéo. Donc dans la description, tu cliques dessus, t'es dessus direct. Sinon, vous tapez Kif Blog. Et si vous tapez Dead Prod, enfin, j'ai tapé tout à l'heure Dead Prod, j'ai pas vraiment trouvé. Donc peut-être que je l'ai mal tapé. Enfin, je sais pas que j'ai mal tapé, mais j'avais fait un espace entre les deux. Peut-être qu'il fallait pas. Mais voilà. De toute façon, le lien sera dans la description de cette vidéo. Donc franchement, si t'es un rappeur ou si tu sais faire des beats ou si t'as des connaissances en texte ou même en miniature ou en vidéo ou des conseils quoi. Franchement, même des critiques. Vous pouvez critiquer un son si c'est constructif. N'allez pas lui dire va te faire enculer quoi, ça sert à rien, tu vois. De toute façon, si vous dites ça, le message va être supprimé, je dirais de le supprimer et puis voilà quoi, basta, tu vois, on va pas s'attarder sur des connards. Donc voilà, franchement, s'il vous plaît, regardez, déjà cette vidéo, c'est on va dire notre premier clip, mais voilà, c'est un petit clip comme ça, vite fait quoi, hein. Et en fait, moi je suis là, donc je suis là, vous pouvez me voir dans la vidéo. Donc si vous allez regarder cette vidéo, mettez des likes les potos, explosez-moi son compteur de vues, il a 323 vues, allez, explosez-moi ça. S'il vous plaît, franchement, j'ai vraiment besoin de vous pour lui faire un énorme cadeau. Moi, c'est un cadeau que je lui fais déjà. Moi, c'est mon cadeau pour lui. Je me suis dit, ça y est, faut que je le bosse. Regardez, ça fait un an, il a plus rien fait. Il a plus rien fait. Et même moi, quand je vais chez lui, il rappe plus trop. Il écoute que des textes, enfin, il écoute que du rap, mais il rappe plus. Il a plus l'envie, mais tout simplement parce qu'il n'y a personne derrière, quoi. Donc, si j'arriverais à le faire un peu connaître, donc qu'il aurait 1000 ou 2000 personnes, même 200, 300, 500. Ce serait vraiment, ça le boosterait en fait. Et n'hésitez pas à le suivre dès qu'il fait une vidéo. Ça dure 3 minutes un son. Vous pouvez regarder sur 5 ans, vous avez vu. Sur 5 ans, il n'y en a même pas pour 30 minutes de vidéo. Donc peut-être une heure quoi. Donc voilà, franchement, s'il vous plaît, sérieusement, allez écouter ses sons. Dites-lui ce que vous en pensez. Regardez un peu son évolution. Ça, c'était il y a 5 ans. Ça, c'était il y a un an. Donc voilà, regardez un peu son évolution. Donc la personne, bah, vous l'avez reconnue, hein, c'est elle. La personne, c'est elle. Elle, ici. Ici. Donc voilà, regardez. Ça, c'est 40 degrés. Donc ça, c'est le groupe, en fait. Le groupe. Donc on est 4, en fait.
Bon, avant, il y avait un type qui s'appelait Jonathan, mais il est plus là, donc c'est, enfin, il s'appelait Incertain, vous voyez. Donc Yannick, c'est YA2N. Après, il y a Coco, donc c'est O. Il y a moi, mais bon, moi en fait, je suis plus une mascotte en fait. Et il y avait Incertain, donc Jonah. Donc en fait, voilà, on était un groupe de 4, donc 3 rappeurs. Donc là, on est plus que 2. Mais voilà, franchement, s'il vous plaît, si vous vous abonnez, franchement, ce serait vraiment super sympa de votre part et ça me ferait super plaisir. C'est vraiment la seule truc que je vous demande, c'est vraiment de vous abonner pour voir un peu si ça va déclencher quelque chose. J'espère que ça déclenchera quelque chose, j'espère qu'il recommencera, qu'il reprendra goût et tout, parce que franchement, il le mérite. Je suis sûr, il peut percer, peut-être pas comme une star comme en Amérique, mais il peut percer, il peut être connu, c'est sûr et certain. Et plus il sera connu, plus il fera du meilleur taf, plus ça le motivera. Donc franchement, s'il vous plaît. Il a déjà fait des concerts et tout, mais le truc c'est que voilà, il a personne qui l'a poussé. Il faut un peu le pousser, quoi. C'est comme tout le monde, on a un peu... On a un peu peur d'avancer ou on a un peu démoralisé parce qu'il n'y a personne qui nous écoute ou parce que voilà, tu vois, ça fait pas le buzz ou quoi. Et bien franchement, s'il vous plaît, si vous abonnez, franchement, si même 10% de ma communauté s'abonne, ce serait vraiment un kiff pour moi. Franchement, ce serait génial. Ce serait franchement, s'il vous plaît, je vous demande rien, mais abonnez-vous à cette personne. Ne likez même pas cette vidéo, dislikez la vidéo si vous voulez. Désabonnez-vous de ma chaîne, mais abonnez-vous à sa chaîne, s'il vous plaît. Ça me ferait super plaisir et ça ferait un énorme cadeau. Donc, il va avoir 27 ans. Ouais, 27 ans. Il va avoir 27 ans, si je me souviens bien, en fait, j'ai oublié. Mais je crois que c'est 27, ouais. Et il va avoir 27 ans aujourd'hui à minuit. Donc, la vidéo se postera à minuit. Je vais faire en sorte pour qu'elle se poste à minuit. Donc, voilà, s'il vous plaît. Je vous montre pas, je vous fais pas écouter les sons, vous allez écouter par vous-même. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Ce serait super sympa. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est un bon gars et tout, franchement. Allez voir ces sons, dites ce que vous en pensez, abonnez-vous. Lâchez des likes, lâchez surtout des commentaires, lâchez vos avis. Dites vraiment tout ce que vous pensez. S'il vous plaît, ce serait vraiment super, super sympa de votre part. Et je vous en remercierai jamais assez. Donc merci, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonneront. Je regarderai tous les abonnements qu'il a reçus depuis que j'ai fait cette vidéo. Comme ça, je verrai un peu qui est fidèle, qui m'a vraiment écouté, qui m'a vraiment fait plaisir en allant sur sa chaîne YouTube. Parce que je peux, voilà, j'ai le mot de passe de sa chaîne, donc je peux aller voir les abonnements qu'il prend tous les jours. Donc voilà, s'il vous plaît, faites-le. Et franchement, ça me ferait extrêmement plaisir et je vous en remercierai jamais assez. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. N'hésite pas à liker ces vidéos, même pas celle-ci. Like ces vidéos. Abonne-toi à sa chaîne, pas à la mienne, à sa chaîne. Et partage aussi. Partage. Si vous partagez sa chaîne, vous imaginez, si 10% partagent ma chaîne, sa chaîne. Donc 10%, ça fait 2000 personnes qui partagent sa chaîne, ça fera peut-être qu'il y aura 4000 abonnés en une semaine. Bon, là je rêve, mais ce serait énorme, franchement, ce serait vraiment énorme. Et je vous jure, si vous vous abonnez, eh ben je vous laisse même pas un mois avant qu'il refasse un son. Je vous laisse même pas un mois parce qu'il écrit encore des textes de temps en temps, mais il les enregistre plus. Avant, il était à fond dans Audacity et tout. Voilà, toutes les bannières, c'est lui qui les a fait lui-même, hein. Lui-même, enfin voilà, c'est un débutant. Mais regardez le travail quand même, c'est super bien fait, franchement. Donc voilà, franchement, s'il vous plaît, partagez un maximum sa chaîne. Et voilà, ça me ferait extrêmement plaisir, ça lui ferait extrêmement plaisir. Et franchement, le soutien est très très important de nos jours. C'est vraiment le surnom, quoi. Quand on a du soutien, mon pote, on défonce les murs, on défonce les portons, on défonce les frontières. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il vous plaît, les potos, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc merci à tous ceux qui le feront. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace. Yummy, bruh.